Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Colraoul. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur The Last of Us. Alors aujourd'hui, je vais faire un gameplay comme promis sur ce jeu. Donc, je sais que The Last of Us partie 2 est déjà sorti, mais le 2, personnellement, il m'attire pas trop. Du coup, voilà. Et en plus, je fais ce que je veux. Donc voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti. En mode facile. Alors j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois. Je tiens à préciser. Donc voilà. C'est parti. Alors ici j'ai fait une petite ellipse. Quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Alors, désolé pour la cinématique. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu la cinématique du début. J'ai pas compris. Alors, je vais pas commencer à chipoter dans les alentours et tout, hein, d'accord? Laisser la fenêtre ouverte comme ça, c'est pas très cool, hein. Et là, il y aura une explosion. Alors, il y a un truc là-dedans que je comprends pas, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, je sais qu'on s'en fout, hein, mais l'explosion a d'abord explosé à la télé qu'en réalité. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Alors que normalement ça devrait être peut-être le contraire, genre ça explose en réalité et puis dans la télé. Enfin je sais pas, non, je sais pas. Ou alors ça devrait même exploser en même temps. Ah, y a perquisition là-bas. Ah, c'est chez moi, c'est je vais Tommy. Hein. Non, Johnny, excuse-moi. C'est sûrement chez lui. Y a perquisition, vous savez pas ce que c'est? Perquisition, c'est quand les flics rentrent chez vous en bourrant votre porte. Oh, mon téléphone. Ah non, c'est son téléphone. Au papa. Rappelle-moi. Oh, allez, 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 c'est bon, allez, allez, allez. Et c'est quoi ça? Là, tu fouilles la vie privée de ton papa, ça se fait pas. Eh, je suis sûr, c'est le genre de... Oh! Oh, putain! Le reflet m'a fait peur! Putain, je suis con! J'avais oublié qu'il y avait les reflets! Eh, papa! Tu vas bien? Et là, il va sortir un 354 Magnum. C'est fou. Quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Je l'ai vu ce matin. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Tommy, allez,
Alors voyez, imaginez-vous. Attendez, je vais vous le dire après. Enfin bref, imaginez-vous, genre vous voyez vos voisins au matin et tout, voyez. Genre vous voyez vos potes et tout au matin, vous les avez dit bonjour et tout, vous avez parlé avec et tout. Et une fois au soir, genre vers 3h du matin, vous vous réveillez et là vous les voyez en zombie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez quelqu'un les tuer là. Ça fait un choc, non? Là-bas, il y a quelqu'un, vous avez vu? Ils ont dit le nombre des morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Bah, ça va, oh. Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est. West. Oh, c'est la ferme. Oui. Ouais. J'espère que cette enfoirée s'en est tirée. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Ah ouais. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien fait. Quelqu'un d'autre passe. Ouais, peut-être. Sûrement. Oh, l'hôpital! Ah, oh, je l'avais jamais vu l'hôpital. Ah ouais. Alors il faut savoir, les zombies sont là à cause d'un gaz. Qu'on appelle le spot. Le sport. Ouais, le sport, un truc ainsi. Le sport, c'est un gaz jaune. Mais on aura l'occasion de voir le sport dans au fur et à mesure du jeu qu'on avancera. Et en fait, le sport, il tue les gens. Et en fait, le sport, c'est le virus. C'est ce fameux virus qui transforme les gens en morts-vivants. Voilà. Et il faut savoir que maintenant, vu que les zombies, bah, vous connaissez bien, genre une morsure, une griffure, ou alors du sang de zombie dans ta bouche, bah, ça vous transforme, et bah voilà quoi. Oh merde! Voilà, comme ça, vous savez comment est-ce que les zombies sont là et tout. Comment le sport est arrivé sur Terre, ça j'en sais rien. Oh, le sport. Accroche-toi bien.
Allez, go. On y est presque. Franchement, les doublures et tout, les voix des doubleurs et tout, franchement, ça va. Elles correspondent bien au personnage. Besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cab. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça.
Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Oh ben, quand on a plus de soldats, il faut bien... faut bien recruter, hein, j'ai envie de dire. Faut bien faire avec ce qu'on a. Voilà quoi. C'est comme mon travail, hein. Attention. Parce que je travaille. On a presque plus de personnel, tout le monde démissionne. Je travaille dans un bureau de menuiserie, enfin un bureau. Je travaille dans un atelier, pardon, pas un bureau, un atelier de menuiserie, vous voyez. Et genre, je fais des trucs en bois, genre je fais des structures en bois. Du genre des pieds de table. Là, je suis en train de faire un petit meuble. Ça fait déjà, quoi, 2 semaines? 2 semaines que je suis en train de travailler sur le meuble. Pff. Tranquille. On dirait qu'il y a toujours il faut du personnel, hein. Obligé. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Ok, donne. Ah ouais, mais non, c'est vrai, va les donner. C'est bon. Circulez. Bonjour la compagnie, tenez voilà nos papiers. Voici nos papiers. J'ai pris ma journée, je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. J'ai pris ma... Wouah! Des lucioles! Alors, faut savoir que j'ai tryhard le jeu. Et ouais. Je suis pas le genre de mec qui débarque sur un jeu sans rien savoir, quoi. Ouais, vas-y, donne-moi ça. Oui, je sais, je suis pas con, je le sais. Putain, ça fait 8 fois que je finis le jeu. T'as vu ce bordel? J'y étais. Ah bah ouais. Ça donne quoi dans le tunnel est? Lui c'est un guetteur. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Bah ouais. Marlène? Les lucioles quoi. Pourquoi les lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Ah ouais, attendez, y'a quoi dans... L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, absolument. C'est des pigeons. Marlène qui cherche Robert. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les lucioles. Non, jure. T'en as d'autres des comme ça, toi, monsieur Chetou? C'est nous. Yo man, bien tranquille. Comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Ah ouais. Comment ça se passe ici? Ah, très bien. Calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça te plaisir à entendre. Oh merde, ça va tomber.
Attendez les gens, parce que j'ai fait une connerie. Ouais, deux secondes, Michel, j'ai fait une connerie. Ok, c'est bon. Faites attention à vous là-bas. Le mec, il fait rien de ses journées, il est payé. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas encore de lampe. Non, c'est pas là. Ah merde, c'est là-bas. Je pensais que le matos était là-bas, mais non. Il est plutôt là-bas, là où j'ai. Le Tosma. Il est où le Tosma? Ah, il est Al, le Tosma. Ah, vas-y, hein. Pas beaucoup de munitions. Comme d'habitude, quoi. C'est la vie. Et ouais. C'est ça, hein, les banlieues, qu'est-ce que je te dis? Les banlieues, rien à voir. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Oh, tu casses les couilles déjà? Prêt? Non. Tu me fais monter maintenant? Allez. Merci, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, moi. C'est une question piège. Ouais. Normalement, tu devrais répondre. Bah alors, crève. C'est faux. Je sais où elle est, moi. Parce qu'elle bouge pas de place. Correux. Je l'ai. Super, apporte-la ici. Pour ceux qui aimeraient faire le jeu, regardez mes vidéos, comme ça vous saurez où ce qu'il faut aller. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Bah ouais. Mais monte! Qu'est-ce que t'attends, mon grand? Par ici. Par ici! Faut descendre par là. Allez? Jure? Tu crois que Robert a toujours nos armes? Non. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait les couler facilement. Attends. Des spores. Ah, voilà, c'est ça, les spores que je disais. Le gaz qui est un toxique. Oh. Qui infecte les gens. Voilà. Rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. Ah merde, non, c'est pas. Attends, il est où le corps? Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Bon, ici, il va falloir d'abord faire passer la fille. Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Le plafond est un vrai gruyère. Putain, comme il parle. Putain, attention, aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Pitié. C'est moi qui a doublé ce mec. C'est pour ça que je connais par cœur son truc. Désolé. En route. Je dis absolument n'importe quoi. Faut pas me croire, j'ai jamais doublé quoi que ce soit. Par contre, je fais du théâtre. Ça oui. J'aime bien jouer la comédie, j'adore ça. D'ailleurs, ça peut vous aider si jamais vous aimez jouer la comédie, faites du théâtre. Ça peut être malaisant comme ça peut être marrant. C'est uniquement malaisant quand on croit pas en soi. Et c'est marrant quand on croit en soi. Parce que c'est marrant les situations des fois quand, je sais pas, on fait des trucs. Des coureurs.
va éteindre la lumière pour éviter de se faire repérer. Bah, discrétion, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Alors, juste deux secondes. Alors je vais les tuer parce que si je les tue pas, quand je vais monter, ils vont me faire chier. Mais t'es con, pourquoi tu... Bon, on les a tous eus. Elle voulait être utile. C'est tout. C'est juste ça l'explication. Elle voulait juste être... se sentir utile en fait. Ouais, ce que je veux dire. Y'a rien d'autre ici. Putain, j'ai un truc sur la langue, c'est dégueulasse. C'est un poil de chat. Bonjour. On peut retirer nos masques. Ah ouais, non, j'ai rien dit, on peut pas retirer. Non, pas maintenant. Y'a pas des petites bricoles qui traînent ici, non? Non, dommage. Bon, go alors, hein. La nature est tellement belle. Un peu d'air frais. Bah ouais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. La nature, c'est tellement important. T'auras qu'à demander du désodorisant habile. Couvre l'entrée. C'est bon. Désolé les gens, putain j'ai un bug au micro, à chaque fois il y a comme des... Je sais pas, comme si ça grinçait, ça grrrr, comme ça là. Des... comment ça s'appelle? Des ondes, je sais pas comment on dit. Ouais, j'y vais. Ah ça va, j'ai compris, j'y vais. Allez saute un grand. Ok man, t'es chaude? Vas-y, passe-la moi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. Allez, monte. D'accord. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Putain, bien sûr, il faut toujours s'abaisser ici. Hein. Laisse-moi rentrer. Oh, je peux pas. Ah ouais, mon joueur, il sait pas encore ouvrir les portes, c'est vrai. Je dis ça parce qu'en fait ça m'énerve qu'il faut toujours que ça soit les autres qui ouvrent les portes. Du coup je peux pas aller à ma vitesse, vous voyez ce que je veux dire? Allez, plus vite. Ils nous attendent. Non, c'est bon, j'ai un carte. Ok,
Eh, vous saviez que... Si tu touches, tu payes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, eh, rassis-toi, fais pas le bonhomme avec moi. Tu nous rends plus visite. Eh, toi, avec ta batte, enfin, avec ton... tout truc, là... Eh, tu veux quoi, toi, l'homme à la casquette, là, avec ta coupe de cheveux, allez. Vas-y, rassieds-toi, fais pas le fou. Chien de garde. Debout. Alors, ici, là-bas, il y a des trucs pour le 100%, donc il y a un truc à terre, donc un papier ici. Donc, attendez, je vais vous montrer quand même, parce que je sais qu'on s'en fout, d'accord. En cas où, ici, il y a un papier. Ici, vous devez parler à ces deux bonhommes. Donc ici il y a encore un papier et ici vous devez écouter ce qu'ils disent et tout. Mais bon bref, ça moi je m'en bats les couilles parce que j'ai déjà fait tout ça. Hey, le dealer, t'as vu quelque chose ou pas? Il y a une demi-heure. Je vais retourner au quai. Il y a encore. La classe. Hey, nous suis pas, d'accord. On va faire des bails. Look for the light. C'est parti. Faut qu'on passe. Ah ouais, là ça va complètement bugger là. Le type en fait, sa voix elle est complètement en retard. Voilà. Ne faites pas ça. Regardez, il parle mais il y a rien, il y a aucun son parce que le son est en retard. Je sais pas pourquoi, franchement, il y a ça. Franchement, hey, je vais vous défoncer le crâne. Si vous dégagez... Tiens, ta gueule. T'es prêt? Bah ouais, prêt comme jamais. Je te couvre. T'inquiète. Ouais, allez, on a compris, c'est bon. T'es sûr? Allez, hop, là, c'est bon. Bien joué, le Texan. Eh, hey, t'as vu ça, hein? Aussi. Eh, on a joué à Call of Duty, hein, nous. Qu'est-ce que tu crois, toi? On a même joué à Red Dead Redemption et GTA. Allez, dépêche-toi. Ouvre-moi la grille. Elle était conne, quoi. Alors ça, vous voyez, c'est complètement impossible, vous voyez. La meuf, elle a des bâtons au lieu des bras. Elle a carrément des bouts de bois. Bon, bref. Même un costaud pourrait pas soulever ce bonhomme, notre personnage. Je vous le dis déjà, même un mec ne pourrait pas soulever notre personnage. Encore des gars de repère. Comment tu sais? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Allez. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Bah ouais mon gars, c'est comme ça la vie. On avait pas le choix. Allez, bougez! Putain, il veut pas bouger! Il veut pas bouger, qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Hein? Avance, avance. Tu crois que je fais quoi là? Je recule? Ah ouais, chaud. Ah, j'ai déjà rechargé. Allez. Donc ici, il faut attendre que l'autre soit de dos. Pas comme ça. Passé par Jordan Street, et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Allez. Laisse-moi deviner. Des lucioles? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Ah là là, je peux y aller. Et là, la femme va s'en occuper, ouais. Ok, parfait. Donc ici, il y a la clé, hop. Ah, ouais. Là, il y a des bonbons, enfin un truc pour manger. Oh, 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 attends, 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 attends. Des munitions. Let's go.
Ah, enfin, il a appris à ouvrir les portes tout seul, comme un grand. Ok, donc ici, il va falloir faire ça à la secrète. Ouais. Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. Allez, viens là, toi. Ok. Maintenant. Continue. Donc là, okay, parfait. Alors moi, je vous le dis clairement, je déteste, mais je déteste me la péter discret, vous voyez. Mais à vrai dire, j'ai pas trop le choix. C'est la zone, c'est comme ça. Bon, allez hop, on fait ça. Non, ici je dois pas aller là. Je vous montre, comme ça vous le faites vous aussi chez vous. Ici il faut monter. Mais là il faut y aller doucement parce que là il y a un garde juste à gauche, comme vous avez pu le voir. Ici vous pouvez le tuer, mais faire gaffe à l'autre là-bas. Ici, à quoi ici? Un couteau. Ah oui, ce genre de couteau, il faut absolument que vous l'ayez parce que c'est important. Ok, il l'a vu. Il a remarqué qu'il y a un truc qui allait pas. Il est mort. Allez, hop, il va repérer le cadavre. Ah ouais. Il va monter les escaliers, non? Ouais. Oh, il va remonter. Et là, normalement, il va passer. Du coup, ouais, ici, il va passer. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va peut-être se faire repérer. Mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, il reste plus que lui. Voilà. Donc maintenant ici il faut sauter et ici il faut passer là. Maintenir triangle. Allez, hop, on passe au-dessus. Voilà, c'est bien ça. Alors, juste 30 secondes, je vais juste faire un truc. Bon, écoutez les gens. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Désolé pour les bugs de micro. Malheureusement, je ne peux pas tout régler là maintenant tout de suite. Parce qu'un micro ça coûte quand même cher. Enfin, moi mon micro là je l'ai payé 100 balles du coup voilà. Bref, écoutez les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à lâcher un like. Un pouce bleu et à vous abonner, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.